quand même, vous avez... La caméra est là. Ça fait que là, il fallait pas se mettre. Ça fait que c'est ça. Ça fait que là, on est en, en monde présentement. Là, je ne sais pas s'il y a du monde à connecter. C'est ça. Présentement, une personne ne connecte pas. Mais c'est cher à la messe, il faut partir ça comme là. Ça fait qu'on voit que ça marche de même. Il y a un ordinateur ici.
1, 2, 1, 2. Ça a l'air allumé ?
Bonsoir à chacun et chacune de vous tous. Nous prions au cours de cette célébration pour M. Raymond Bérubé, Mme Georgette Bouchard, M. Alain Bérubé, Mme Ghislaine Bélanger, M. Gérard Bélanger et Mme Juliette Hamilton, et pour Mme Denise Desmeules.
Frères et sœurs, nous célébrons en cette nuit très sainte le Christ ressuscité. Le cierge sera allumé au feu nouveau. Nous entrerons en procession derrière lui pour signifier que, baptisé dans le Christ et resplendissant de la lumière de sa résurrection, nous avons pour mission de communiquer joyeusement cette même lumière. Nous écouterons ensuite la parole de Dieu qui nous rappellera les grands moments de l'histoire du salut et la nouvelle de la résurrection du Christ. Veuillez vous retourner vers l'arrière de l'église. Prions. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, tu as donné au monde la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui jaillit dans la nuit. Mets en nous comme un feu le désir de parvenir avec un cœur pur à la fête de l'éternelle lumière avec Jésus le Christ pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui, le temps et l'éternité, à lui, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Lumière du Christ. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ.
Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu nous donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. À présent, nous pouvons éteindre les cièges et nous asseoir pour écouter les lectures. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous animaux qui vont et viennent sur terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre. Et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, qui a un souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Parole du Seigneur. Oui, elle est
droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es admirable dans la réalisation de toutes tes œuvres, donne à ceux et celles que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, à la plénitude des temps, est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement du monde. Lui qui vient règne pour les siècles des siècles. On va s'asseoir. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et la nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends les bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens,
leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens se heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers. Toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël, il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur gauche et à leur droite. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé de tes mains. Le Seigneur règnera pour les siècles des siècles. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur Dieu, nous voyons resplendir les merveilles d'autrefois, alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite de Pharaon, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que tous et toutes, de par le monde, deviennent des fils et des filles d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants d'Israël. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. On va s'asseoir. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leur acte. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leur acte, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom.
car on disait, c'est le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement que constitue l'Église entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut de l'humanité. Que le monde entier éprouve et reconnaisse la merveille. Ce qui était abattu est relevé. Ce qui avait vieilli est rénové. Et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. À présent, nous allons chanter ensemble dans la joie. Le gloire à Dieu et les cloches vont être sonnées. Gloria, gloria, gloria a Dieu, Père au ciel et à terre.
Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton Église l'esprit qui fait de nous des fils et des filles, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. On va s'asseoir. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains. Nous tous, qui, unis par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemble à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine,
Elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. On va s'asseoir. Le psaume 117 dit ceci. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Et nous sommes dans cette joie, la joie de la résurrection, qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Alors, rendons grâce au Seigneur. Il est bon. Éternel est son amour. Le Christ, notre espérance, est ressuscité. Il devient désormais le roi victorieux. Victorieux du péché, victorieux de la mort. Jésus ressuscité est désormais libre de la souffrance et de la peine, qui nous montre le chemin de l'espérance, afin que nous puissions le découvrir chaque fois et chaque jour au milieu de nos souffrances, que nous puissions le découvrir au niveau de nos peines, au milieu de nos larmes, parce qu'il en sort parfois, au milieu de nos doutes, que nous puissions le découvrir au milieu même de nos raisonnements purement humains. Jésus ressuscité, ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences, nos discernements humains pour apprendre à te reconnaître dans toutes les circonstances de la vie. Que Jésus ressuscité nous accorde la grâce du discernement, discerner sa présence, discerner la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Je termine en vous disant à chacun, à chacune de vous, joyeuse Pâques. L'apôtre Paul l'affirme dans la lettre aux Romains.
Par le baptême, nous avons été unis au Christ Jésus dans son passage de la mort à la vie. En mémoire de ce passage, et priant déjà pour tous ceux et celles qui recevront le baptême cette année, nous allons bénir l'eau de notre nouvelle naissance en Dieu. Pendant la bénédiction de l'eau, pensons à celle qui a un jour été versée sur nous. Pensons aussi aux nouveau-nés, aux jeunes, aux adultes qui ce soir seront baptisés, particulièrement dans notre diocèse. Prions pour qu'ils grandissent dans la foi et deviennent des disciples du Christ, soucieux de témoigner du don qu'ils auront reçu. On va se lever pour la bénédiction de l'eau. Frères et sœurs, bien-aimés, supplions humblement Dieu, notre Seigneur, de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu lui-même nous renouvelle afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur, notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les humains. Par elle enfin, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Amen. On va professer notre foi et après recevoir l'aspersion d'eau en souvenir de notre baptême. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle.
Amen. Continuons avec la prière universelle. Présentons à Dieu de la vie tous les êtres humains qui peuplent la terre et aspirent à plus de paix et de justice. Ensemble, nous répondrons. Seigneur, écoute notre prière. Pour la Sainte Église qui proclame et célèbre la bonne nouvelle de la résurrection, prions le Dieu de la vie. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui ont été baptisées en cette nuit très sainte, prions le Dieu de la vie. Seigneur, écoute notre prière. Pour les gens qui ne connaissent pas encore le Christ ressuscité, prions le Dieu de la vie. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux et celles qui cherchent un sens à leur existence, prions le Dieu de la vie. Seigneur, écoute notre prière. Pour les hommes, les femmes et les enfants qui vivent dans les ténèbres et qui ont besoin d'accueillir la lumière du salut, prions le Dieu de la vie.
Seigneur, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes qui rayonnent de la lumière pascale en cette nuit, prions le Dieu de la vie. Seigneur, écoute notre prière. Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu nous recrées. Fais briller ta lumière dans les ténèbres de nos cœurs et mène-nous sur les chemins de la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. On va s'asseoir, passer la quête et le fêtoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille-nous, t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent, avec l'aide de ta grâce, la guérison éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Avec des cœurs remplis d'espérance et débordants de joie, pour l'homme Dieu glorieusement ressuscité, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit la mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Raymond Bérubé, Georgette Bouchard, Alain Bérubé, Ghislaine Bélanger, Gérard Bélanger et Juliette Hamilton, Denise Desmeules. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Seigneur, souviens-toi des défunts de nos familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et toutes, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté sur nos familles, sur nos communautés, sur le monde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Baptisés en Jésus-Christ, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est à ce titre que nous pouvons prier Dieu en lui disant: Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La Pâque de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Elle doit aussi nous réconcilier entre nous. En cette nuit très sainte de la résurrection, frères et sœurs, donnons-nous la paix qui nous vient du Christ ressuscité.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuse, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Répands à nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux et celles que tu as nourris des sacrements de Pâques par le Christ notre Seigneur. On va s'asseoir. Nous invitons les personnes représentantes des paroisses à s'approcher avec les cierges que le prêtre va allumer. Ces personnes vont recevoir ensuite l'eau bénite pour leur paroisse respective. On va aller chercher ça. Que cette lumière que vous apportez rappelle à vos frères et sœurs que nous sommes passés des ténèbres à la lumière et que le Christ ressuscité est présent au cœur de nos vies et de nos communautés. Que cette eau vive rappelle aussi à vos frères et sœurs qu'ils ont été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ et qu'ils sont ainsi appelés à vivre les enfants bien-aimés du Père. Amen. Cette célébration belle que nous venons de vivre, nous la devons à vous tous et à vous toutes. Merci pour la présence des autres paroisses de notre secteur qui sont venues et participer. Pas assister, mais participer
à cette célébration. Merci à toutes vos communautés qui vous ont délégué et qui vous ont envoyé. Ça fait l'unité. Un grand merci à ceux et celles qui sont sur place dans Kouy et qui ont œuvré pour que nous ayons cette célébration. Tout le monde, depuis la chorale jusqu'à chacun, chacune de nous, je ne veux nommer personne. Alors merci à vous tous et à vous toutes. On va se lever. À la fin, il aura l'Alléluia Pascal. Donc quand je vais dire, allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia, on va répondre, nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qui vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Qu'il vous comble de sa vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Puis joyeuse Pâques. Merci. Qu'éclate de partout la joie de jour nouveau, qu'éclate dans l'église la joie de nouveau monde, il est ressuscité.